Salut à tous, c'est Toro, on se retrouve pour le second épisode sur FIFA 14, donc le mode de la Coupe du Monde. Encore une fois, je vais à chaque fois taper les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez, je sais pas, télécharger ou essayer ce mode. Et si vous n'avez pas le jeu, il y a également dans la description le lien vers le site qui vous permet en fait d'avoir le jeu à environ 14,67€ environ. Voilà, bon. Jouer le match contre la Russie cette fois. Russie qui on va faire jouer en blanc, sinon on va se voir. Ah oui, comme je vous l'avais dit, dans 10 minutes et on va passer en pro. Tout à l'heure, ça a l'air. Il est 13h. Hop, on va passer ça. Je fais jamais ces petits jeux parce que je suis encore plus mauvais. Allez. Bon, allez, c'est parti. Bon, cette fois-ci, on va laisser l'hymne national belge. Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver en compagnie de Franck Sauzé. Olympique Luzhniki. Bizarre. Juste au début. Ah, c'est l'hymne russe. Bon, allez, on passe, on va jouer. Alors, j'ai 3 points. La Russie a 3 points également. Et c'est eux qui font la mise en jeu. Ouf. Bon, j'ai jamais joué en pro, hein. Je le dis tout de suite. Ça me fait écraser, j'en sais rien. Et aller voir protéger son ballon de chaque homme. Kazakov. Non, c'est différent. On sent tout de suite. De Bruyne. Moussa Dembélé. Un petit centre. Oh, attention ce ballon! Un hasard. Ça aurait fallu de plus qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Ouais, belle détente quand même, mais ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Le ballon est donné de la tête. Là aussi qui s'approche de la zone décisive. Et le ballon qui va arriver dans la surface. Putain. Là, il y a un peu de stress, là, quand même. Eden Hazard. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce joueur. Ah putain. Avec lui, vous pouvez être sûr que les défenseurs adverses auront du boulot. Il est capable de couvrir tout le front de l'attaque, c'est impressionnant. Combat au fond. Il n'a pas fait non plus un super début de Coupe du Monde, Lukaku, là, qui s'est en train de discuter. Attention à son centre, ses partenaires ont bien suivi. Et hors jeu. Le drapeau s'est levé, il a déclenché son appel de balle un petit peu tôt. Vous voyez ça, c'est ça que je voulais vous dire dans le premier épisode, ce genre d'amorti de la poitrine, je sais pas le faire, je sais pas comment il faut faire. Il s'approche. Ouais, c'est moins facile de prendre le ballon là, tout de suite, même si c'est pas la même équipe. Oh putain, putain, merde, et voilà. Bordel. On s'est pris un goal. Bon, j'espère que je vais pas réussir à faire le 5-0, enfin le 0-5 cette fois, dans l'autre sens. À jouer plus correctement. Bon, il est tout seul là. Non. Oh bordel de merde. C'est quoi? Hop, ça me saoule. J'ai du mal avec Lukaku aujourd'hui. Enfin, depuis que je joue à jeu. Ah oui, il m'a remis Fellaini sur le banc. Voilà, je vais aller remettre Lukaku. Oui, je suis déjà à 2 remplacements. Dispositif, peut-être. Bon, c'est bien. Non, sauf que je veux pas Chadli là-bas. J'ai fait n'importe quoi.
On va revoir ça. Désolé. Hein. Fellaini, Lukaku, ok, c'est bon, ça va changer là. Ce ballon, ouais, parce qu'il ne peut pas la rabattre. Ah, c'est donc un remplacement pour la Belgique. Bon, les gars, on se réveille. Arrête de faire de la merde. J'aurais pas dû passer en premier. Je n'arrive même plus à toucher la balle. Je ne sais pas si vous voyez. Il perd ce ballon. Eden Hazard. Oh, bordel de merde. Vassili Beredzhitsky. 1-0, il n'y a rien de joué. Oula merde, vous voyez ça, c'est ça. Il faut que j'arrête de faire ces conneries. Hein. Oh, il fallait tacler, bien joué. Le chapeau. Non, pas bien centré du tout, tu sais. Centré utile, il n'y a personne. Voilà, mais évidemment, il avait bien centré. Daniel Van Buyten. Ça n'est pas trop du goût du public, évidemment. Ah putain. Ouais, bien joué cette talonnade. Enfin, je m'étonne de faire certains trucs. Il ne faut pas trop laisser d'espace. Il l'élimine. Mais le ballon dans la boîte. Mais bordel! Désolé. La passe encore plus. Je vis le match. C'est dommage. Sinon, ça reste un jeu avec des balles. Des gens qui courent après une balle. Non, en disant que le foot me dérange pas, c'est tout ce qu'il y a autour. Ce ballon qui traîne. Axel Witsel. Mais bordel, là. Mais prends la balle, bordel. Il y en a bien un en noir qui va reprendre la balle. Hein. Pas... J'ai pas envie de jouer, les gars, il faut le dire. On rentre à la maison en tant que. On va se faire un FIFA. Ok. On va circuler. Hein. Le château. Je fais de la merde. S'il y a des solutions. Bah oui, donne-lui. Ce sera plus simple la prochaine fois. Tu lui fais un cadeau, tu lui envoies. Viens tranquille. Moussa Dembélé. Mais bordel, mais essayez de choper cette balle de merde! On voit la différence. Ou alors c'est vraiment l'équipe qui était beaucoup plus forte, mais je ne pense pas. Donne-lui la balle, je te dis. Non, ça n'ira pas plus loin. Elle perd le ballon, mais ça joue. Oh, ça va rentrer! Ouais, pff, ça va rentrer, tu rigoles quoi. T'as vu la balle en mousse? Ah là là. Zirkov.
Je fais de la merde. Et bon centre, mais la défense s'est montrée vigilante. Lukaku. Ah, le ballon qui va changer de possession. Ah putain, ça c'était beau. Je n'ai rien dit, hein. J'attendais. Ah putain, enfin. C'était beau. Vous voyez pourquoi je me fais la haine là? Très bonne anticipation, très bonne lecture de la trajectoire du centre. La détente est parfaite. Tout est maîtrisé. Et les voilà donc la égalité un peu partout. Ouais, c'est là quand j'ai vraiment surpoint. Attention, pas que mais perds pas cette putain de balle. Et le centre peut-être. Allez, tu cours. Attention à cette bah oui, oui toi, écarte-toi, tranquille. Le chacun. Oh putain, comme je dois énerver ceux qui aiment ce jeu. Bah j'aime bien aussi, je le répète. Mais je joue pas bien. Moi j'en suis conscient. Parce que j'ai vu les gens dire qu'ils jouaient super bien à se faire mais c'est même par moi. C'est pour vous dire. Ça volait pas haut. On récupère le ballon. On fait la sortir là. Mais ce genre d'amorti c'est nul. C'est chiant. Et c'est récupéré. Peut-être une belle occasion là pour la Belgique. Allez, faut qu'il centre là. Et le ballon qui arrive dans la surface. Ça peut pas marcher à chaque coup. Oh, putain. En jeu, monsieur l'attaquant. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Vertonghen. Le ballon qui va arriver dans la surface. Le gardien qui réussit. Ça aurait pu être beau encore. La passe parfaitement dosée. Bon ballon d'attaque. Oh putain. Le chacun. Et le ballon qui change de corps, magnifique. Un mauvais espace, hein. Bon. Il y a Hazard. Chien. La cellule de Redzutski. Bon. Kerzakov. Continuons. Bien, bien, bien. Pas obligé de faire de la merde, hein, personne qui se démarque. Alexander Kerzakov. Ok, première mi-temps. Bah ça va, un partout. C'est déjà plus logique quand on fait les 5-0 tout à l'heure. 1-2, pardon. Vous avez gagné que j'en enregistre plusieurs pages. À leur avantage, mais ils n'ont pas su réussir le plus important, faire preuve de réalisme. Ils ont plus de possession que moi. Bien, bien, bien. On va peut-être changer.
quelques joueurs. Bon, le dispositif, on va le laisser comme ça. Effectif. Van Buyten. Un autre défenseur, tiens. Oh, Malen. Il joue jamais. Il est bon pourtant. Voilà, sauf quand il se blesse dès les premières minutes du jeu. Oh, c'est bon. Ouais, c'est parti. On voit que son système ne fonctionne pas. Alors il change. En tout cas, c'est tout pour la gagne maintenant, clairement. Parce que j'ai changé un défenseur, il dit ça, mais c'est tout pour la gagne. Ok. Les 30 derniers mètres. Dans cette attaque qui avance finalement. Centre pour. Oh, que c'est brouillon tout ça, mais enfin ça donne de l'air. J'aurais pu avoir un penalty là, non? Oh putain, ça c'est moche. Ça c'est chiant. Et bien en contact. C'est bon. Quoi, putain? Le ballon a été donné trop tard. Ta gueule. Kerzakov. On joue hors jeu. Hein. Alors, je suis à trop tôt et l'arbitre assistant est bien joué hors jeu. Thomas Vermeulen. Il s'avance vers la surface. Tout seul. Attention à ce centre. Tout seul. C'est bien taclé ça. Le pire aussi, c'est que je sais pas tirer un penalty. Correctement. Je sais pas jouer. Marcel Witzel. Eden Hazard. Un superbe centre. Putain, ça aurait pu. Il y a toujours danger. Bon. Si on jouait. Non, pas vous, nous. Mais merde. Oh, le bon ballon. Un centre bien négocié par les gardiens. Et non, il ne donnera pas l'avantage de son équipe sur cette action. Mais c'est bien quoi de ça pour un dégagement? On se transforme quand on joue en 80 jours au foot. Corinne. Enfin, je pense qu'il a une idée derrière la tête. C'est contré. Ok. Pas que moi qui fais des remises en jeu, merde. Oh, s'il s'applique bien sur le centre. Oh oui, le bon centre. Cocorin. Le pied de coin. J'ai chaud. C'est peut-être pas fini. Mieux que ça sur le corner. Fais des passes à personne. Son ami imaginaire. Mais prenez-lui cette putain de balle de merde. Ok. Ce sera donc une sortie de but. Personne à la retombée du ballon. Ils me font peur. Je jure, ils me font peur. Ce sera pour le défenseur. Faut que j'arrête de faire ça. Franchement. Moussa Dembélé. Une bonne application sur cette interception. Le chapeau.
Brozovic. Ouais, bonne circulation du ballon. Igor Denisov. Il fallait peut-être venir en soutien pour l'aider. Je dis plus rien. Là. Et il ne passera pas. Bonne interception. Brozovic. Oh putain de merde. Aussi qui s'approche de la zone décisive. Mais putain, mais donne-lui carrément la balle quoi. Elle a pas sans refaire compagnie comme ça. Ah là là. Igor Denisov. Zirkov. Oh putain de merde. Oh bordel, je me fais peur du jeu. Merde, je voulais pas faire ça, je voulais passer une vidéo. Bon. Putain, mais c'est quoi ça? Désolé. Il a le temps de lever la tête avant de centrer. Il a le temps de... C'est plus difficile. Hein. C'est Witzel. Bon, on retente le centre de Brian Fellaini. Mais Fellaini, il était à Italie. Je sais pas. En vacances. Hein. Putain, il faut pas qu'ils en mettent un. Faire des dégagements comme ça, tu fais rien. Bon, on se réveille. Je sais pas ce que j'ai essayé. Complètement à côté et au-dessus, enfin, n'importe comment. Et ben voilà. On est vers la zone de vérité. Ok, heureusement qu'il tire mal. Ah non, je suis à trop tôt et l'arbitre assistant l'a bien vu. De toute façon, c'était un hors-jeu. Ok, il a oublié de prendre la balle, c'est pas grave. Tranquille. Bon, le capitaine il va faire quelque chose de bon. Ah ben bon. Centre. Bonne sortie de garde. Oh les mecs, cours-toi. Bon alors, qu'est-ce que ça dit au niveau de... Oui, ils sont fatigués. Qu'est-ce que je pourrais changer? Les attaquants. Mertens avec... Lukaku. Donne un sursis à son équipe. C'était une balle de but, Hervé. Qu'est-ce que je fous, putain. On va faire marquer, on va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. On s'approche du but. Il peut aller au bout. Ok. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Il y a beaucoup d'animation autour des bonnes touches, il va y avoir des changements. Il reste 10 minutes, enfin 10 fausses minutes de jeu. Et on est sur 1-1. Le ballon récupéré, ça pourrait coûter cher.
pas. Ah, attention, la frappe. Il rate cette occasion. Bordel de merde. C'était l'occasion de passer devant. Ça passe pas loin en plus. C'est dommage. Là, c'était l'occasion, quoi. Enfin. Moi, je m'assurais la qualification. Qui sait pas tenir une balle? Et on en reste à ce score de parité pour l'instant. Le coup de sifflet final qui se rapproche. Les Russes qui se font un petit peu plus pressants avec ce ballon. Attention ce ballon! Superbe centre, ça peut aller au bout. Je me suis encore fait peur. Bon, les Mertens, c'était tout frais. Mais tu sais pas courir. Okay. Que va faire l'arbitre? Que? Joli coup de poker de l'entraîneur qui voit bien que son équipe n'arrive pas à tout. Moi qui fais une faute? Ah non, ça me vient. Il reste 5 minutes hein, pour essayer. J'ai envie de le temps d'entrer, mais je suis un peu loin quand même. Sur cette interception, Corinne. Les 30 derniers mètres. D'ailleurs, et tac à nouveau sans faire faute. Igor Yanisov. Oh putain de merde, ça c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Ça pue. Le gardien repose, oh ça peut revenir. Oh ça ne peut pas rentrer, le gardien qui est partout. Allez, dégage-moi ça. Zirkov. Il a réussi à passer. Un superbe centre. Oh, quelle est bien partie. Oh, on se fait peur, on se fait peur. Occasion peut-être, occasion importante sur ce corner. Ouais. Dégage vite ça. C'était n'importe quoi, heureusement. Ouais, il n'est pas en position idéale en fait sur cette action. C'est sans doute pour ça qu'il rate cette occasion si importante pour son équipe. 3 minutes. Il faudrait surtout pas qu'il marque. Attends, moi, si je pouvais marquer, mais j'ai vraiment eu l'occasion que j'ai raté tout à l'heure. Excusez-moi si vous entendez des bruits, je crois que mon voisin va être là. Là, c'est lui, Baradzinski. Le chapeau. C'est dans ses pieds qu'il faut aller, Madel. Quelque chose à faire pour la Russie. Putain, à chaque fois, je me fais peur. Bon, je crois que ce sera du. Ce sera un score de 2-1. Peut-être même décisive. Mais il a complètement raté sa frappe. Et ben voilà. Ça nous fait 4 points pour la Belgique. Résultat quelque peu surprenant finalement. Disons que cette équipe a beaucoup couru après le ballon, mais elle parvient tout de même à décrocher le match nul. Et ben voilà. Qu'est-ce que ça dit alors au niveau des stats? 10 tirs, 3 cadrés. Et ben voilà, j'espère que. On regarde un petit peu le résultat des autres équipes. Petit bug. Ah non, il y a plein d'équipes qu'on pourra en jouer. Voilà, mais j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier match de poule. Salut à tous!